C'est trop. Mais là, elle a dit tout cas. Mais t'as juste rajouté du truc dedans. Là, on dirait que t'as commencé, s'il vous plaît. Oh, merci. Merci à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Aujourd'hui, 24. Il y avait une chanson là. C'est le 31. On voit qui est qui. Il y avait une chanson, Coco. C'est le 24. Non, avant, là, il y avait une chanson. 24 ou 31. Là. Les Zouglou ont écrit une chanson. Là. En tout cas, 24 ou 31, là, c'est là on voit qui est qui. Si tu as Babi à l'air, là, tu dois être ton gars. Si tu es la titulaire, tu dois être le gars à l'air, là. Le gars, là, tu dois être lui. Voilà. Si tu n'es pas lui, pose-toi des questions. Il est rentré où? Joyeux Noël. Oh, Charlie. Ouh là là, les gens dorment pas. Oh. Joyeux Noël. Ouh, depuis la Californie. Oh, Sabine Rose, comment vas-tu? Oh. Oh. Comment? Mais oui, hein. Allez là. Avant là. Le 31, là, mon cher. Tu t'arrêtes pour être le gars. Si tu n'es pas le gars, là. Pour ça que tu es le gars, que le gars est pour toi. 24-31, vous êtes crampés ensemble. Ah. Justine de Dieu, comment vas-tu? Kadi, ok, oui. Kadi, ok, ça c'est ma personne. Je vous reconnais juste. Oh, Georgette Coablan. Maman, le goût de ça. Esther Kofi, Merry Christmas. Oh, Merry Christmas. Are you ok? J'espère que oui, ça va là-bas. Louise Amon. Kwaku, Octave, Noël, Quadio, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Moi, voici ce que je fais. Il n'y a rien à aller là. Quelqu'un qui vous dit qu'il fait le show dans la maison au Canada, là, il a menti. Surtout au Québec. Même pas au Québec, même à Toronto, en Alberta, il n'y a rien. C'est que si tu peux tricher, hein, mais si on ne t'attaque pas là, hein, si on ne t'attaque pas. On a vu une voiture devant ta maison qui n'a pas sa place là. Les voisins vont appeler 1 000 $ jusqu'à 6 000 $. Toi qui reçois là, tu prends 6 000 $. Toi aussi qu'on a reçu là. Toi tu es venu dans la maison des gens là. Toi aussi là, 1 000 $. Donc est-ce que tu vas prendre le risque pour un seul jour? Je peux pas. Oh, Merry Christmas. Vraiment. Ah, et en tout cas, ça m'a si Sarah. C'est ça qui est là. Vraiment, je vous ai appelé pour vous souhaiter un joyeux Noël. Je voulais attendre 0h. Et dire, est-ce que le sommeil va me trouver? Où je suis là? Le sommeil est déjà dans mes yeux. Ah, c'est pareil ici à BC. BC, c'est quoi? Colombie-Britannique. Ok, Colombie-Britannique, ou bien peut-être qu'elle a inversé. Ah, c'est ça, hein? En tout cas, joyeux Noël, portez-vous bien. Ah oui, Kadi, ok, vous êtes où? Et puis vous avez fait un tour au bas. Je vous envie d'être ici à Montréal. Non, pas ici. Pas ici. Ou bien Abidjan. C'est Abidjan. Oh. Maman, on vous envie. Hey! J'ai dit que parmi vous, est-ce qu'il y a d'autres qui sont dehors? Nous, on vous envie. Les boissons, la nourriture, tout nous entoure ici, mais on regarde ça comme ça. C'est là que tu vois que c'est l'homme qui est important. Je vous dis. Ah, caca et coco, tu vois, elle dit Abidjan. Ah. Eh, hey, oui. Maman, le goût de ça, je vous envie. Oh. Voilà, Colombie-Britannique, c'est ça. British Columbia. Ah. Ah. C'est ça. C'est zier dans zier. Allez là. Il n'y a pas de Turoya même. Il n'y a pas solution, il n'y a rien, on est assis. Voici les boissons qui nous regardent. Mais il y a des boissons là-haut, c'est quand il y a quelqu'un, il y a la famille, il y a les amis, c'est ça qui donne goût à boisson. C'est ça. Donc on est là, on se regarde, il dit bon, comme je n'avais pas souhaité joyeux Noël à mes impactés, je vous souhaite un joyeux Noël, tout et tout. Vraiment. Cette année 2020 là a été une année très spéciale. C'est pas facile.
avec le coronavirus. Oui. Lydia Diarra, vous aussi, vous êtes en confinement à New York. Thank you for the suite. Thank you. From Boston. Ok. Ok. Elle est à Boston, dans le Massachusetts. Ok. Fantasila. Merry Christmas. Hey, Bamba Mira. Merci beaucoup. Ma chérie, il faut aller dormir. Oh, le mari doit travailler. Le mien, il va travailler aussi. L'antenne s'apprêtait pour partir. Comment on va faire? Au moins, là, la petite est là. La soeur est là. C'est ça. Merci beaucoup, Louise Amon. Va prendre soin du mari. Va lui donner au moins un. Bah, quand il travaille la nuit, là, mon cher, il va donner un et puis il va aller bien travailler. Voilà. Ah, ma chère, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, je suis là. Je suis là. Ah. Tu me vois, ah, il va partir et puis aller là. Ils sont en train de causer. C'est que j'ai rempli mes devoirs conjugaux. Tu vois comment? Si tu n'as pas rempli là, il y a à faire encore. Non, mais c'est la vérité. Il n'y a pas bébé ici la nuit là. C'est à nous les adultes. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Pourquoi les gens ça? Pourquoi du temps? Oh, je suis calée avec. Elle risoua. Non, mais c'est vrai. Eh, hey, Amena Virginie Kwaku, merci beaucoup. Merci. Merci. C'est gentil, c'est très touchant. En tout cas, cette année-là, on espère qu'on va avoir de bonnes choses. Bon, ils ont trouvé leur vaccin, là. Vaccin, là, ils disent que... Voilà ce qu'on nous a dit ici. Hein. Ce qui est sûr, ils ont dit que ce n'est pas obligatoire. Mais écoutez ce qu'ils disent, ce n'est pas obligatoire. Mais si tu veux voyager... Ah, mais il faut donner un. Aïe. Est-ce qu'il y a moitié à faire de un, là? Yeah, mon cher. Ce qui est sûr, faut donner... Préparer les bonbons manger. Il traîne la nuit pour éviter les palabres. Tu joues rôle. Tu t'as joué rôle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si tu veux savoir cuisiner tout et tout, si tu n'as pas joué rôle, là, la partie du film, là, ah. Mon cher, on gonfle le nez sur toi pour éviter ça, là. Chacun joue rôle. Surtout, il dit 24 décembre. Ah, pardon. Ma chérie, il faut jouer rôle et puis à faire d'ail. Bah, là, il va bien travailler là-bas la nuit. C'est ça. Donc ils disent que c'est pas obligatoire. Mais c'est pas obligatoire si tu dois voyager. Il faut que tu sois vacciné dans tous les pays européens où tu as parti là. Il faut que tu sois vacciné. Ils n'ont pas encore. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Il faut que tu... les personnes âgées, les professionnels de la santé, ceux qui travaillent les enfants, donc il reste qui alors? Ça veut dire que c'est forcé? On m'a envoyé une note aujourd'hui. Vous qui travaillez les enfants, c'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé. Quand Blanc a dit vivement conseillé, vers la fin, là, ça veut dire qu'il faut faire en même temps. On attend. Il a dit qu'ils n'ont qu'à commencer d'abord. S'il n'y a pas eu beaucoup de morts, nous, on va les suivre. C'est ça qui est là. Oui, en tout cas, je suis contente. Vraiment. Mes abonnés, je tenais à vous dire gros merci. Je profite de ce joyeux Noël-là pour vous dire un gros merci. Merci vraiment pour cette marque de sympathie. J'ai mon tempérament. Je sais. Moi, mais je sais que ce n'est pas facile. Et mon tempérament fougueux. Je dis, comment je suis? Mais vous êtes toujours là. Je ne peux pas remercier tous mes abonnés. Si je veux vous remercier, on ne va pas quitter ici. Vous êtes nombreux. Mais il y a des noms, quand je les vois, ils sont toujours sur mes directs. Les lanceurs de cœur. Ah, c'est ça qui est là. On dit que non, ils n'ont pas dit en Afrique, hein?
la note que mes partenaires de travail m'ont envoyée aujourd'hui, ils m'ont dit, voici la liste, tous les pays européens, tous les pays américains. Tu comprends? Ça veut dire que si on veut partir au pays, bon, là, ils n'ont pas dit ça, mais ils disent que chez eux, ici. Donc, ça veut dire que vers la fin, tu fais... Donc, ça veut dire que tu n'as pas voyagé, tu as toujours resté sur place. Ça veut dire que ça va être obligatoire. Vaccin qu'on a créé, on va pas faire, on va faire. Peut-être en Afrique, non, mais ici, là, vers la fin, tu vas être obligé. Ah, donc, c'est ça. En tout cas, je tenais à vous dire merci. Merci. On aurait pu atteindre peut-être 100 000 abonnés en ce moment, mais c'est sûr que la façon dont je fais mes vidéos, comme vous l'avez remarqué, merci beaucoup. Mes vidéos, je les fais un peu par une façon qu'on appelle le créateur. Comme je travaille, je ne peux pas faire de direct tous les jours quand il y a un sujet ou bien quand je veux parler de quelque chose. Donc, je fais des petites vidéos et puis je les dépose. Ça, ce n'est pas évident dans le partage des vidéos, tout et tout. La preuve, quand il fait les directs, là, ça vient. Si je faisais les directs, comment tout le monde faisait les directs chaque fois, je pense que j'aurais touché facilement les 150 000 abonnés. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas une course, comme je dis. Les réseaux sociaux, c'est un hobby. Je fais les réseaux sociaux en chose. Hein? Il y a danse du vaccin. Ah, Mounia! Kala, tu savais qu'il y a la danse du vaccin? C'est ça que Grace Kaamelott m'a dit. Elle dit que va sur TikTok, il y a danse du vaccin. Check pour voir. Ah oui? Putain. Donc, c'est ça. Mais je tenais infiniment à vous dire merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci aussi pour le direct d'hier. Le direct. Comme je vais appeler ça, le direct de la revanche. On a attaqué mon mari. Je ne peux pas accepter. J'ai dit, regardez ça. C'était un riz couché. Comme m'a dit quelqu'un n'est pas témoin. C'était un riz couché. Oh, que oui, c'était un sévère riz couché. Et puis j'ai fait sa propre. Hier, il est dormi à 18h30. J'ai fini le direct. Je suis allé me laver. Je n'avais pas mangé tellement. Il était warm même. Il était fatigué. J'ai dit à mon mari, chéri, je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Il dit, prends 3 Tylenol. Tu as dormi. J'ai dormi. Je me suis réveillé à 4h du matin. Tranquille. Et puis la vie continue. Demain, midi, on a prévu quoi au menu. Bon. Le monsieur, c'est un bon Africain. Hein. C'est comme nos parents. Manger des fêtes, tu as fait pour huile à côté, on dit faut faire traditionnel. Si tu as fait manger des fêtes, que tu n'as pas mis manger africain à côté. Donc, demain, là, je vais faire du gigot d'agneau pour la famille, tout et tout, des pommes de terre sautées avec les légumes. Et puis un bon foufou. Vous savez que foufou, c'est son plat préféré, non? Merci beaucoup. En tout cas, mes impactés, moi, je vous dis merci. Je ne cesserai jamais de vous dire merci. Si aujourd'hui, je suis l'impacteuse, là, c'est grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous. Les gens ont apprécié mon habit de Noël. On dit, ah, l'impacteuse, ça fait des années, on est sur les réseaux sociaux ici, là. Vraiment, c'est aujourd'hui, on a vu quelqu'un me porter habit de Noël comme ça pour faire un direct. J'ai dit, ah. Maintenant, après, j'ai vu ça un peu partout. Tout le monde a porté habit de Noël. Alléluia. Sinon, on a trouvé d'autres sur les réseaux sociaux aussi, mais c'est ça la vie. Voilà. En tout cas, moi, le merci vous revient. Mouna la duchesse Zeytoun, merci beaucoup. Merci. Je saurais vous dire toujours infiniment merci. Tout ce qu'on souhaite, c'est que cette année-là soit une année tranquille. Parce que 2020, là... Le corona n'a pas arrangé. Non, le monsieur Fantasy là, le président de Pain est sorti à Bigan. Président de Pain là, il est sorti, il dit que c'est des rumeurs. Sinon, c'est un sujet quand même, on peut pas. Moi, mais quand j'ai vu, j'ai dit comment ça? Le Pain, 350. Il dit que c'est faux. Que c'est une rumeur. C'est pas vrai. Voilà. Anna, hé, ma petite soeur. Coco, voici Anna. Ça fait longtemps. Ah, ma Inès, demain je vais t'appeler. Joyeux Noël. Hii, ma puce, ça fait longtemps. Je t'ai dit, Inès. Comment vas-tu? Vraiment joyeux Noël. J'espère que mon bébé va bien, ton chéri aussi. Oh, merci. Vraiment merci.
Oui, il dit que c'est les rumeurs, il a dit ça. Vraiment, 250 jusqu'on va passer à 350. Moi-même, vous n'avez pas vu le poste, j'ai dit, qui est ici? C'est une augmentation des... Même si on dit, on est... En tout cas, j'ai eu des doutes, c'est pour ça que je... Il n'a pas trop parlé. Qui dit 350? On va aller en 350 chaque matin pour payer le pain. Non, j'ai trouvé... Mais il dit que c'est... On va attendre. Qu'a dit, ok, on va attendre 15 janvier pour voir. On va aller là-bas là aussi. On ne peut pas prendre les choses. Ce qu'ils ont dit au début, là, on ne peut pas toujours prendre ça. Tout à vous. Oh. Pardon, Ferdinand Anderson, il faut laisser à faire des maraboutages là. J'ai dit qu'il y a les marabouts en Afrique et puis la souffrance est là-bas. Mon frère, il faut laisser ça. Oui, comment on appelle ça? Samassi, Sarah. Ça ne peut pas. Oui, pain, le pain, le quotidien. Quand on veut parler, on dit le pain quotidien. Et puis on va augmenter pain quand 350. Moi, je trouvais que c'était intense quand même. Mais non, pas. En tout cas, vraiment, je tenais à vous dire merci. Je ne cesserai jamais. Oh, Fantasila. Comment tu vas, ma personne? Tu vas bien. En tout cas. C'est moi là. Actuellement, là, le temps est un peu beau. On ne peut pas mentir. Il a fait combien? 7 degrés, 6 degrés. C'est pas mal. 7 degrés, 6 degrés. C'est pas mal. Il fait beau en ce moment, mais comme nous autres là, on est mamie froid. Mais si c'est après le 15 degrés. Le monsieur a dit qu'actuellement, là, il y a 22 degrés dans la maison. Moi, il ne peut pas mettre plus que ça, ma chérie. Donc, si tu peux aller chercher tes gros manteaux ou bien tes quoi pour mettre sur toi, tu mets sur toi. C'est ça, vous me voyez comme ça. Là. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs. Ouais. Avec la pluie, je t'ai dit. Ouf! Moi, je déteste quand il pleut ici. Quand il pleut ici, c'est glacial. En tout cas, c'est pas agréable. J'ai dit que le climat du Canada... oublie ça. Sarah Déborah, joyeux Noël. Si la dignité, joyeux Noël. Mon fils. Mon fils Omotawo Tiere. Je vais prononcer ton nom aujourd'hui. Mon fils, sois béni depuis ta position. J'aime tous mes impactés. Je connais mes impactés. Quand je dis mes personnes, vraiment, je suis là aujourd'hui parce que mon fils est là. Mon fils, que Dieu te bénisse en ce jour de joyeux Noël. Vraiment, ce n'est pas facile. Je connais tes projets. Je connais ce que ton cœur désire. En cette année 2021, Dieu va faire. Il va ouvrir la voie. Je t'ai dit, c'est serré comment. Il y a la place pour toi ici. Il t'a dit, hein, quand moi je suis une personne de parole, il a dit au roi, chérie, dans le fait des réseaux sociaux, là, il y a mon fils en Russie. Le jour que ça s'est ouvert, là, le jour que c'est devenu propre pour lui, là, on va l'aider. Le roi a dit, il n'y a pas de problème. Si tu dis c'est ton fils, il n'y a pas de problème. Vraiment, sois béni, mon fils. J'ai dit que le Canada, c'est tout. Mais qui a parlé de Paris est froid? Mona la Duchesse, on ne peut pas comparer le climat de Paris et puis Canada. Paris, c'est le beau climat. Actuellement, là, ça fait doucement. On est chanceux, actuellement, c'est doux. Mais quand on va rentrer à partir du 1er janvier? Coco, tu connais ça, hein? 1er janvier. 1er janvier, quand on va rentrer dedans? Ça va commencer janvier, février. Vraiment. Ici, là, c'est joyeux Noël. Oh, Milan Yaba. Yaba. Coco, tu es venu dire. Mes impactés, voici ma petite soeur. Ça, c'est Madame Lemieux. Coco, salut les gens. Bonjour. Joyeux Noël. Joyeux Noël qui est là. C'est ça, c'est ma petite soeur qui est là. Voilà. Joyeux Noël, bonne fête, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, hein, parce que tu ne vas pas les voir. Voilà. Elle va à l'école, elle travaille. Donc,
Bientôt, elle s'en va travailler. Bon, elle est juste là pour le temps des fêtes. Merci beaucoup. Oh, Suzanne Wixon. Merci. Voici mes abonnés. Oui, je vois. Ouais. Oh, mes abonnés, c'est ça. Ouais. Il y a des Niamselais qui sont perdus souvent qui viennent. D'après, je vais dire, si l'impacteur a parlé, qu'elle n'a pas dit le mot, c'est qu'elle n'a pas encore parlé. Oui. Il y a des Niamselais qui sont un peu perdus souvent, qui viennent attaquer. Eh, c'est ma petite soeur qui est là. Est-ce qu'elle est là? Soit infirmier. Elle est ici au Canada. Elle va à l'école, elle va sortir infirmière, c'est qu'elle est là. Madame Lemieux. Voilà, c'est la femme du Whitey qui est là. Merci pour vos cœurs. Okay. T'es la plus spéciale. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Mon cher. En tout cas, bye bye. Bye gogo. C'est ça qui est là. Mes impactés. C'est mes impactés. Ouais. D'après le roi, il dit les impactés. Oh, les impactés. Je dis non, ce sont mes personnes. Merci beaucoup. Qu'a dit ok. Merci. Oui, ah, sont mes impactés. Des gens vrais, j'ai mes impactés, je reçois. La seule chose que je ne suis pas contente de mes impactés, quand je mets les photos là, vous ne commentez pas, vous ne me donnez pas les likes. Pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vois que mes directs, ça mousse, ça guinzin. Mais il y a même photo. Et quand moi-même maintenant, même, il n'y a même plus photo. Tellement vous m'avez découragé. Même si vous n'aimez pas, si vous ne voulez pas parler, la petite cœur. De toute façon, vous mettez les cœurs sur les directs là. Vous mettez un petit. Eh, mon fils. C'est ça qui est là autant au kéré. Mon fils. Aujourd'hui, il a prononcé bien. Ça, c'est bon. Merci beaucoup. C'est ma petite soeur qui est là. Merci. Vous ne commentez pas les photos. Si j'ai mis photo de quelque chose où il y a scandale, là, vous allez commenter. Moi, je suis là et puis je vous regarde et dis regardez comment ils sont. Moi-même, je suis dirigeante de la page là. Je mets mes photos ou bien je mets quelque chose. Bah, vous ne commentez pas. Vous pouvez comprendre que j'ai 80 000 abonnés. Je suis rendu à presque 80 000. Je mets photos, vous ne commentez pas. Mais vous êtes versé dans mon inbox. Ah, c'est ça, hein? Merci beaucoup. Merci. Sabine Ross, merci. Oh, le Amaroula est fini. L'amant de Charlie m'a envoyé 4 cadeaux, Coco. Comment on appelle ça? De boissons. Il dit, il y a diable. Québécois va rien te donner dans la main. Il faut que tu ailles dépenser ça dans quelque chose. C'est ça. C'est ça. Corrigez ça, hein. Et Benatou Mahamat. Oh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé 50 étoiles. Oh my God. Oh, c'est gentil. C'est trop gentil. Merci. De votre part. Merci beaucoup. J'ai dit bon, merci. Benatou Mahamat, merci. C'est ça. Vous n'avez pas vu que j'ai corrigé le tir. Au début, quand j'ai commencé mes vidéos, j'étais un peu fougueuse. Mais à force de faire de l'écoute, j'ai compris. J'ai dit non, tu as ta réalité que tu vis, mais il y a la réalité que certaines femmes vivent. Il y a la réalité que certains hommes vivent. Depuis lors, pour ceux qui m'ont suivi au début, quand je dis je ne suis plus, hein, j'ai ajusté, j'ai écouté. J'ai vu que souvent les problèmes aussi de la vie, la situation que vivent certaines personnes, ça dit cette situation a fait que souvent des gens se retrouvent dans des positions de vulnérabilité. C'est comme ça que bon, j'essaie d'améliorer, je fais plus d'écoute, mais la seule chose, les hommes qui frappent les femmes, moi je ne fais pas cadeau à ça. Aïda Rose Guiré, c'est correct. Merci beaucoup. Moi, je vous aime, j'aime mes impactés. Vous pouvez imaginer, hein, tous ceux qui rentrent dans mon inbox WhatsApp, ils ne vont pas dire que je les méprise. Je suis là, il est 1h du matin, ou bien quelle heure en Russie, partout. Il est 22h à Montréal, heure de New York. Tous ceux qui rentrent dans mon inbox, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, je suis rentré dans l'inbox de l'impacteuse, elle m'a parlé bête, ou bien elle m'a dit, Donc, si moi, je vous écoute, pourquoi moi, je mets mes photos, je mets mes trucs, vous ne commentez pas. Vous dites que je suis votre impactus. Moi, je suis votre impactus. Moi, je suis à votre écoute. Même quand il n'y a pas de solution, je te dis, faut faire comme ça, faut faire comme ci. Vous savez que ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est la vérité qui est là. Oh, Suzanne Wilson. Ah, tu as Laval à côté ici. Ah, ok, d'accord. Ok.
Tu te rappelles pas, hein? Oh, une fois je suis à Montréal. Oui, j'écoute beaucoup. J'écoute. C'est ça qui fait que je ne me rappelle pas. Ouais. Mais tous ceux qui sont. Les mecs qui rentrent dans mon inbox, je fais très attention. Je dis que parce que les gens viennent vers toi, ils ont de quoi te dire. Je fais attention. Maintenant, il y a vidéo qui est déposée là-bas. Ça, c'est un autre game, comme on dit. Mais des gens qui ont besoin de parler, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de temps, comme actuellement. Hey, la mère, tu as vu, hein? J'avais pris le téléphone, j'ai oublié d'appeler la mère. La mère, comment vas-tu? Merci beaucoup. Vraiment, merci la mère. Voici la mère qui est là. Chaque jour, elle fait que des éloges. Mais moi aussi, je fais des éloges. Je lui envoie, je lui claque toujours des bisous. Parce que je dis, c'est une battante. En tout cas, bon, on me déteste pas. On dit, je fais à Talakou du Canada. Bon, moi, je fais à Talakou de où je suis? C'est lui qui me donne le pain. Comment vous voulez qu'il me méprise ou qu'il me donne le pain? Il n'est pas méprisé. Je méprise pas. C'est ici qui me donne mon pain. Oh. C'est à cause d'ici là que moi on me considère. C'est à cause du Canada là, on me considère au moins parler ici là. C'est comment dans ma famille là, il peut réagir. C'est la vérité qui est là. C'est comment, c'est mou, comment j'ai réagi. Donc il est considéré pour ici. En Afrique, j'étais à la banque, mais on n'a pas encore payé. On est arrivé au 20, déjà, salaire est fini. Il n'y a pas salaire. Problème là dépasse salaire. Problème dépassait le salaire. Au moins ici, là, je peux garder un peu. On dit cricata net, là, j'ai réagi. Oh, la mère. Ok, on s'appelle demain. Matsita, Merry Christmas, ma soeur. Ah, entre la cour de Canada. Amour de moi, Georgette Kouablan. Mais ma, j'ai une de mes impactées là, même là. Comment elle s'appelle? Angela Koufour. Je ne sais pas où elle est passée. Quand elle écoute mes vidéos, elle va voir. Merci beaucoup, la mère. Merci. Et elle dit qu'elle est à Laval aussi, Georgette Kouablan. Merci. J'ai beaucoup d'impactées ici au Canada. Beaucoup. Au départ là. Ah, tu vois, hein? La merveille divine, elle dit que c'est la partie de la cour spéciale du Canada. Moi, c'est ça. C'est la vérité, oh. C'est la vérité. Merci beaucoup, la mère. Merci pour les cœurs. Oh, merci pour les étoiles. Merci. C'est gentil. C'est gentil. Oh, c'est gentil. C'est très gentil de votre part. C'est pas facile, mais... Très souvent, même quand ils font la talakou, là, c'est pour les gens même aussi qui sont là, pour qu'ils apprécient. C'est, au départ, c'est dans cet esprit que j'avais commencé, pour que ceux qui sont là apprécient. Parce qu'on a vécu dans un circuit où les gens n'appréciaient pas, ils donnaient que le mauvais côté. Ils donnaient que le mauvais côté du pays. Tu as fait 20 ans dans un pays et puis tu as toujours dit le mauvais côté. C'est là même cet esprit de la talakou spéciale est venu dans ma tête. J'ai dit non, moi, je n'ai pas vu dans un pays. Où mes enfants ont grandi, mes enfants ont tout fait, puis moi j'ai dénigré le pays, ou bien je n'ai pas apprécié. Souvent d'autres ne dénigrent pas, mais ils n'apprécient pas assez. Une appréciation. Ma petite sœur de Soubré, Ayonia, Queen Yaba, comment vas-tu? Merci beaucoup la mère. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Ce soir, 100 étoiles. Là-bas. Oui, hein, tu as Piémont. Là-bas, là, il n'y a pas beaucoup d'Africains, il n'y a pas beaucoup d'immigrants Piémont, là. Piémont, là, c'est derrière, ici, vers les Laurentides. Parce que le papa de la Poupou n'a dit qu'un jour, ils étaient allés à Piémont. Priska, Jims. Joanna, Kona, épouse, Enjore. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui viennent d'arriver. Partagez assez les vidéos, likez tout et tout. Oh my God, I'm so happy today. Wow, beaucoup d'étoiles, 250 étoiles. Merci beaucoup. Vous êtes gentils, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, la mère m'a envoyé des étoiles. Matsita, je suis à New York City. Je te suis souvent. Ok.
Chérie, oui. Tu t'apprêtes pour partir là, bon. Ouais. Faut pas que tu es en retard. Non. Ladji Ouattara, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Oh, 300 étoiles. Nya, béi, amanya. Hé hé, la la. La 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 la. Hey, j'ai un impacté à Abidjan. Un c'était Diarra. Il dit quand tu parles bêté, l'impacteuse, tu peux me tuer. Il dit quand tu parles ton bêté là, c'est la partie là que j'aime. Là. Tu danses, chérie? Tout à l'heure. Viens faire bisous avant de partir. Que le Seigneur t'accompagne. Donc, vidéo. À côté ici, la bouche à côté, c'est vidéo, voir bisous. Oui, je suis au Burkina et vous me motivez à venir avec ma fille. Hey. Bon, joyeux Noël, chérie. C'est ça. Le Seigneur t'accompagne aujourd'hui. Bonne nuit, chérie. Tu fais doucement. Oh. On dit la route est un peu glissante. Ouais. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, exaucé de l'éternel. Mariam, oh my God. Mariam Yahou, merci beaucoup. Papa, il faut parler doucement. Ta voix porte un peu dans ma vidéo. Doucement, chérie. Non, non, on n'a qu'à garder l'autre là pour. Captain, là, moi j'ai peur de ça. Zena Judith épouse. Oh, Mariam Yahou, merci. Zena Judith épouse Kouadio. Joyeux Noël à toute la famille. J'espère que. Chérie, toi tu ne sais pas murmurer. Hein. C'est ton affaire qui est là. Lui, c'est pas murmurer. C'est ton affaire qui est là. Il faut que vous serviez un peu. Juste un peu. Bye, chérie. Donc, faut pas oublier, hein, papa. Tu allais oublier ma liste de condiments ici. Il y a un bain. Kala, donne-lui. Les crevettes et les adjova pour demain, pour la sauce de fufu. Tu payes des crevettes, poisson magne. Et puis, bonbon frais. Le roi s'en travaille. C'est son manger qui vient. Il va aller faire son marché et puis moi je vais cuisiner demain. C'est pas compliqué la vie ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, merci. Merci mes impactés. Merci. 450 étoiles. Indirect, je suis venu souhaiter joyeux Noël à mes impactés. Oui, que Dieu vous garde. Pensez le positif. Justement, je le taquine. Il faut qu'on rie. On va rire avec qui dans la maison? On rit, on est un mari, on ne rit pas dans la maison. Marie, il y a des femmes qui ne rient pas avec leur mari. Elles ne font pas la comédie avec leur mari. Un jour, moi, ma fille était couchée là. Je lui ai dit que toi, tu sais ce qu'on va faire? D'ici l'année prochaine, là, on va aller à New York. J'ai vu un coin d'une clinique là pour mettre les cheveux sur la tête. Parce que ta tête est trop lisse. Il dit, il faut commencer par toi d'abord. Toi, tes deux grains de cheveux qui sont sur ta tête là. Tu commences par toi. Maintenant, si l'expérience a marché avec toi, elle te suit. J'ai éclaté de rire. C'est la vérité. Une femme doit rire avec son mari. Un homme avec une femme. On doit faire un peu d'humour dans la maison. Mais visage, quand on vous voit dans la voiture, on sait que c'est monsieur et madame. On parle comme ça. C'est ça. Il dit, commence par ta tête. Remplis les grains de cheveux qui manquent sur ta tête d'abord. Et puis maintenant... Après, moi, elle te suit si l'expérience a marché. Enfin, pour moi, tout est déjà fini. Toi, au moins, tu en as, mais ce n'est pas beaucoup. Donc, ils n'ont qu'à remplir ta tête. S'ils ont bien, si ton expérience a marché, je te suis. Ma fille a dit, maman, il t'a dead. Hein? Il t'a dead sérieusement. C'est bon. Okay. Donc, c'est comme ça. On rit. Il n'y a pas palabre. On fait palabre, mais on rit. Vous voyez, on ne rit pas à l'homme. On ne joue pas un peu de comédie à l'homme. C'est pas bon. C'est ça. Donc, c'est ça. Vraiment, merci. Oh, 550 étoiles. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous souhaiterez que j'améliore pour mes personnes qui sont connectées? Dites-moi. L'impacteuse, nous, on t'aime, mais on veut que tu améliores tel côté. On veut que tu améliores tel côté. Je vous écoute.
quelques petites suggestions ici. Ah, le roi a tué, hein? Christelle Zama, il a tué ce jour-là même. Il a dit, mais toi, tu n'as pas de cheveux, c'est toi qui te moques. Depuis que tu m'as connu, moi au moins, je n'ai pas de cheveux. Toi, tu as perdu tes cheveux. Et toi, tu dis que non, toi, tu as vu une clinique. Commence. Va, s'ils ont rempli les creux, va, ce sont sur ta tête-là. Moi, il te suit. Il n'y a pas de problème, chérie. Tu sais que quand c'est bon, là, moi, il te suit. Et puis, ma fille a dit, maman, il t'a dead. Hein? Il t'a dead, sérieusement. Donc, c'est ça, là. Ces bactéries. Hey, c'est Noël assis, épouse d'Adier. Oui, il est rentré boulé ce jour-là. J'ai dit que la honte a fait qu'il a commencé à rire. J'ai ri quand il m'a failli m'étouffer ici. Oui, oh, joyeux anniversaire, mon impacté, ma personne. Joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. Et puis tu es chanceuse, tu es née. Ben, généralement, ces anniversaires-là, ça passe un peu sous silence façon. Là. Tu vois, c'est comme on dit. Elle est née le 1er janvier, il y a fête à gauche, il y a fête à droite. Donc, ouais. Pour moi, c'est correct. Merci. En tout cas, moi, vous êtes là, les quelques personnes qui sont là. Dites-moi, chap-chap, là. S'il y a de quoi améliorer, je peux améliorer. Mais, ouais. Ce qui m'est revenu, l'impacteur, on aime que tu parles des sujets importants, mais bon, ça, c'est plus quelque chose qu'on va perdre le temps dessus. Sujet important, là, ça n'attire pas trop le monde. Sinon, les sujets importants, là, je peux parler de ça. Mais qui veut pas qu'on regarde ces vidéos? Nous tous, on veut. Il a dit, mais ceux qui ont 1 million d'abonnés sur la toile, ils cherchent les vues. Ils veulent qu'on regarde leurs vidéos, qu'on partage, qu'on fasse. Mais sujet important, là... Ça ne draine pas aussi du monde. Je suis obligée de mettre souvent un peu d'humour, un peu de trucs pour que bon, ça donne. Sinon, si j'ai important, donne pas. Ah, comment on va faire? On va oublier de mélanger un peu de buzz, de tout ce que vous voulez. Mais comme je vous dis, dans les buzz, il y a quelque chose d'instructif aussi. Merci beaucoup. Encore plus d'Atalakou spécial. Les Atalakou, on va faire. C'est le COVID qui ont gâté. C'est COVID qui a gâté ça. Sinon, j'avais prévu, on allait aller... Comme on dit ça, en Alberta. J'avais prévu un voyage en Alberta. Mais, regarde, là, ils sont en vacances un mois. Il n'y a pas Kiroya. On ne peut pas aller quelque part. Bon, la fin, on dit, tu vas voyager. Une clinique dit, oui, on peut faire le vaccin de voyage. Une autre clinique. C'est trop compliqué. Donc, finalement, là, j'ai laissé la fin du voyage. Mais, merci. Merci, Marine Baka. Plein. Sonia, Kissi, Ndri. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, je me sens. C'est gentil. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit l'impacteuse. Un jour, quelqu'un m'a... Ouais, il y a comme quelque chose. J'aime quand tu parles de sujet des enfants, tout et tout. On a vu avec quelqu'un qui dit tout, le roi tu es. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il n'est pas bavard comme moi. Mais il t'a dit un peu là. Tu as réfléchi à ce qu'il t'a dit. C'est tout. Il ne dérange pas. Mais il va te dire pour lui. Quelqu'un m'a dit oui, on aime quand tu parles aussi des ados. On a l'impression que... Quand tu as vu avec ta fille, on a l'impression qu'avec le côté des adolescents, ouais, tu as dit, quelqu'un m'a dit, malgré qu'on sent que tu as du tempérament, mais le côté des ados, on dirait que tu es so-so avec. J'ai dit, oui, c'est vrai. Il y a du tempérament, c'est vrai. Mais le côté des ados, là, je sais prendre ça. Donc, si vous avez des soucis avec vos adolescents, tout et tout, que vous voyez que ça coince un peu, que vous comprenez pas. Parfois, là, en tant que parent, vous comprenez pas le comportement des adolescents. Moi, je suis une professionnelle, j'ai étudié adolescents à l'université. Quand j'ai fini mon cours, j'ai étudié encore une autre partie des adolescents jusqu'à 17 ans. J'ai étudié. Donc, si vous avez des petits soucis avec vos adolescents, vous rentrez, je vais vous montrer un peu des petites astuces. Même en Afrique, ici, c'est pareil. C'est pareil, mais c'est juste que bon, en Afrique, on réfute un peu trop. Le monde a évolué aussi. En Afrique aussi, même là-bas aussi, on ajuste un peu. Les familles modernes ajustent.
Donc vous ajustez doucement, doucement. Ok, l'éducation des enfants ados pour nous ici au Canada, oui. C'est le premier élément là. Il faut les écouter. Il faut les écouter parce qu'à travers la communication, il y a des signaux qui vont te donner. Tu sais que les ados, c'est des gros, c'est des menteurs. Hein? Est-ce que vous savez ça? Wendy est venue me raconter une histoire ici, l'été passé là. Elle m'a raconté une histoire rocambolesque. Oh, j'ai mon ami, il a le cancer, il est en phase terminale. Oui, mais je n'ai pas dit son nom, pardon. Je ne dis pas son nom. Mais tu as raconté cette histoire, tu ne veux pas que j'en parle. Il arrête ça. Elle m'a raconté l'histoire, j'ai pris l'histoire sur moi. J'ai dit que je n'ai pas mangé pendant 2 jours ici. Vous comprenez? Je n'ai pas mangé pendant 2 jours. J'ai dit, hey, mon Dieu, comment ses parents vont faire? Et je lui ai dit, ben là, maman, ça vraiment c'est triste. C'était du mensonge qu'on était venu me donner. Vous comprenez? On était venu me donner le mensonge. Voilà, je parle de ça, elle est assise, elle fait des gestes. J'ai dit, quoi? Et elle là, ça dit, ils ont mis dans un contexte où le petit, son papa, c'est un Africain. Vous voyez? On vient te dire qu'un petit Africain, il va avoir le cancer. Maman, je n'ai pas dormi pendant 48 heures. On avait créé un scénario là-bas pour venir me donner. Wendy est venue, ma. Jacqueline Anderson, c'est la vérité, je vous dis. On était venu me raconter cette histoire. J'avais avalé. J'ai pris ça sur moi. Pendant 2 jours, j'ai une soeur amie à Québec. Je l'ai appelée. Elle m'a dit, Monique. Mon cher, tu les vois comme ça, ils aiment raconter des histoires. Hein? Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, ah. Oui, parce qu'elle, on lui avait donné le flocon. Donc, elle est venue me donner. Elle ne savait pas que c'était un mensonge, mais elle a pris ça sur elle à tel point que je m'en ai la voix. J'ai dit, est-ce que ça va? Tu as pris les nouvelles de ton ami? Puis, il est rendu où là? Elle dit, il va à l'hôpital pour les consultations. Mais là, elle, maintenant, dans texter là, c'est sur téléphone, il dort, non? Elle voit que, mais il a dit qu'il est à l'hôpital. De l'hôpital, il est déjà arrivé dans la région où on est. C'est comme de l'hôpital où il peut venir dans la ville où on est. C'est comme ça peut faire, je peux dire, ça peut faire 1 heure de temps. 50 minutes. Donc, elle voit qu'il est déjà ici. Elle dit, mais tu m'as dit que tu étais déjà à l'hôpital. Et puis tout de suite, tu es ici. Elle aussi, là, comment elle met des doutes. Elle est venue me dire, ben là, maman, je pense que son affaire n'est pas claire. Tout et tout. J'ai dit, comment ça? Tu as dit qu'il avait le cancer. Elle dit, non, non. À la fin, là, c'était un gros mensonge qu'on était venu me donner. Depuis ce jour, quand elle me dit quelque chose, j'ai dit, pardon. Vous êtes des menteurs là-bas. Elle dit, ben là, c'est lui qui a menti. Est-ce que c'était... J'ai dit que non. Donc, ça a cliqué déjà dans mes... Quand elle vient me dire quelque chose, je vais faire le double check. Je vais vérifier 2 fois. Maintenant, je ne me laisse plus dans les affaires de où ils... J'ai dit, mais pourquoi il avait inventé ça? Non, c'était l'été, il s'ennuyait, il avait besoin d'un peu d'attention. On est venu de ça, les adolescents, c'est de leur affaire, ils vous parlent. On a juste inventé le cancer pour chercher de l'attention. Donc, ça c'est des signaux. Vous comprenez? À l'école, on m'avait dit ça, on a dit que les adolescents peuvent inventer des histoires. Mais là, je l'ai vécu en direct. Oh, jusqu'en Californie. Kadi, ok, vous riez, c'est la pure vérité. Elle est assise là, elle me fait les gros yeux là. Donc, quand tu sais, quand ils viennent te dire quelque chose, tu ne prends pas au premier degré. Si ils t'ont dit, tu dis ok. Et puis toi, en tant qu'adulte, tu analyses. Souvent, ils me disent des affaires, je dis que vous êtes des menteurs. Donc, moi, il faut que tu me prouves que ça, c'est vrai. Je dis, ben là, c'est pas parce que je t'avais dit là, l'affaire passée là. Lui, il avait menti parce que j'ai dit, ah, merci beaucoup. Aïda Rose Guiré. C'était pas Poisson d'Avril. Emerson Ntakpe. Elle, on lui avait dit. Elle, elle avait cru. Maintenant, c'est la façon dont il faisait maintenant qui a fait qu'elle a émis des doutes. Mais qu'elle est venue me dire, c'est comme c'était vrai. J'ai pris ça sur moi. Et depuis ce jour, je lui ai dit, vos affaires là-bas, moi, je prends plus sur moi.
Il a dit, je ne prends plus. Je ne prends plus vos affaires. Viens me dire, oh, on a fait ci, on a fait comme ça, on a fait. J'ai dit que c'est des menteurs. Beaucoup de menteurs entre les adolescents. Le mensonge des enfants, à partir de 3 ans aussi, ils commencent à raconter beaucoup de mensonges. Ils racontent des histoires. Ils peuvent revenir à la maison, de la maison au service de garde ou bien à la maternelle. Ils viennent avec des mensonges. Après, quand ils commencent à rentrer dans le 6 ans, ça stoppe. Maintenant, quand ils tombent dans l'adolescence, il y a des choses à faire. Ils se disent que, donc, maman, tu connais ça. J'ai dit, ma fille, moi, je suis nyanyere. Moi, j'ai fait jeunesse avant de marier ton papa. C'est ça la différence entre les autres femmes et moi. Moi, j'ai fait jeunesse. C'est les femmes qui n'ont pas fait jeunesse qui souffrent. Tu n'as pas fait jeunesse. Tu vas apprendre quoi à ta fille si tu n'as pas fait de jeunesse? Moi, j'ai fait la jeunesse. J'ai dit à ma fille, j'ai fait la jeunesse. Je lui dis, ben, je dis, ton père n'est pas mon premier gars. Donc, j'ai fait ma jeunesse. C'est mon deuxième gars. Vous comprenez? C'est ça qui est là. Donc, il y a des choses à dire. Il y a des musiques, je chante. Elle me dit, ah, tu connais ça? Je dis, oui, je connais. Dans le temps, nous, on faisait, comment on appelle ça, là, les matinées. Nos parents ne voulaient pas qu'on sorte le soir. Donc, on profitait. Les 14h, 15h, on partait. Il y a des musiques qu'on chantait. Oh, je dis, mais les ados sont des gros menteurs. Et il ne faut pas. Ça dit qu'il faut apprendre. Oui, c'est vrai. Il faut apprendre à connaître son enfant. Mais il ne faut pas parier totalement. Et mettez toujours des réserves sur les adolescents. Il y a des choses qu'ils peuvent faire qui vous surprennent. Et mettons toujours des réserves. Moi, si on me dit, par exemple, on dit à voler quelque chose, je peux mettre la main au feu. Parce qu'elle n'a jamais pris un sou dans cette maison. Elle était petite, elle ramasse les sous. C'est comme les enfants ici parmi eux. Il y a d'autres que ceux avec lesquels je travaille. Il y a un là. Lui, quelque chose, il va ramasser. Même un petit papier qui est tombé, il vient me donner. Donc, il y a d'autres quoi. Et il y a un là, lui, il aime cacher sur lui. Donc, lui, déjà, je l'observe. Tous, elle n'a jamais pris un rond. Si on me dit, elle a volé quelque chose, il peut mettre. Mais il y a des choses là. Si on m'a dit qu'elle a, elle a parlé d'une façon là-bas. Là. Il y a des jours, elle est venue, elle me dit, non, je n'ai rien dit. Je dis, toi, tu es capable de dire ça. C'est toi qui as dit ça. Toi, je te connais, tu es capable. Quand on te parle, tu sais ton visage. Tu fais d'une manière. La prof a dit que tu as dit, c'est toi. Et puis, je mets la honte sur elle, elle reste dans la chambre. C'est fini. Mais vos enfants font. Tu dis non, tu sais que dans ta tête là, l'enfant a fait. Hein, mais comme tu aimes ton enfant, tu dis. Je dis, toi, tu as fait ça. Oui, mais maman, la prof avait dit, j'ai dit que c'est que la prof a dit, je n'étais pas la maman, je sais que tu es capable. Ah, elle a fini par s'arranger. On ne m'a plus envoyé les convocations. D'ailleurs, quand elle était au, je ne sais pas quelle classe, on m'envoyait les petites convocations. J'ai dit, hey, si les convocations finissent là, j'ai mon frère au champ là-bas. Mon père a une grande plantation. Mon frère Popo, il est là-bas. Elle était petite, elle se souvient de Popo. J'ai dit, mon frère est là-bas. Mon père a une très grande plantation. Je t'envoie dans la plantation, les moustiques vont te piquer là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir à ton secours. C'est comme ça que j'ai réglé l'affaire de. Je ne l'ai pas menacé pour dire, je vais t'envoyer là. J'ai dit, dans la plantation. Parce que si elle était envoyée en Afrique et était laissée à Abidjan, là, tu as vu dedans, je t'envoie au campement. Voilà, elle s'est corrigée. Je n'ai pas eu de problème. À date, ça va. Ça va. Puis, ouais, c'est ça. Quand ils viennent avec vos, leurs amis à la maison, il faut les checker. Regardez les amis de vos enfants. C'est très important. Regardez les têtes. Si la tête ne te plaît pas, tu dis carrément à l'enfant, moi, ton ami, lui, là, je ne le sens pas. Tu lui dis ça. N'ayez pas peur de dire vos ressentis aux enfants. Non, souvent, on se dit, non, je t'ai dit. Ok, pense, je le sens pas. Elle avait des amis quand on était dans notre ancien quartier. Elle avait des amis. Je lui ai dit que celle-là, c'est une bonne amie pour toi. Elle là, fais attention. Aïe, les convocations finissent pas ici. Des convocations. Nouveaux immigrants, vous allez venir là. Pas ici là. C'est pas comme au pays où il y a de l'espace libre. Je parle de ceux qui sont. Comment on dit ça? Ceux qui sont en appartement. Parce que quand on arrive au début, on est en appartement. Donc, les espaces sont restreints. Nos enfants ont beaucoup d'espace au pays où ils jouent. Donc, quand tu viens avec les enfants ici, quand vous immigrez, d'abord, moi, je vous conseille de prendre des sous-sols. Si vous avez plus de
plus d'un enfant. Si vous avez deux enfants, prenez les sous-sols. Quand vous cherchez les maisons, dites, est-ce qu'on peut avoir un sous-sol? On veut le sous-sol. Insistez pour avoir les sous-sols. Parce que si tu n'as pas pris le sous-sol, tu as pris le premier étage ou bien tu as pris le deuxième, le Québécois va commencer à te... Il va coalisser dans ton camp tout le temps. Tabarnak, asti. Il va commencer à sacrer dans tes oreilles. Et puis les problèmes de voisinage commencent. Et quand les problèmes de voisinage commencent, là, c'est les problèmes. L'enfant n'est plus bien, vous sentez le stress au niveau des parents parce que les enfants, ils vont commencer à faire le bruit. Ah, vous riez, c'est la vérité est dit. Ah, avec ton voisin. Merci beaucoup. Ah, ok, c'est ça. Donc, tu prends le sous-sol. Sous-sol, là, les enfants vont danser, vont taper tam-tam en bas, il n'y a pas de problème. Mais tu as pris premier étage, tu as eu un mauvais voisin qui est en bas, tu es foutu. Tu as pris deuxième, tu as eu un mauvais voisin en bas, tu es foutu. Tu vas commencer à te créer des problèmes, tout et tout. Des tabarnaks de hostie de calice à gauche, à droite. Puis te voilà dans le problème. Les enfants vont à l'école, là-bas encore, il n'y a pas... Nos enfants sont un peu... Ben, je ne peux pas appeler ça turbulent. Au pays, ils ont de l'espace. Les enfants jouent, les enfants crient, mais ici... Et puis, quand nos enfants, on joue, on attrape l'autre, on tire l'autre, même ici, à la garderie. Oh, Monique, il m'a touché. J'ai dit, ben, si tu veux pas qu'on te touche, tu restes à la maison, là. Ici, là, on vient pour se toucher. Ça dit, j'ai réglé ça. Tu veux pas qu'on te touche, tu restes à la maison. Donc, c'est le même système, ils envoient à l'école. L'autre le touche, ou bien l'autre attrape l'habit, ça devient problème. On m'a convoqué. Je m'en coalise vraiment. On m'a convoqué. Quand Wendy était petite, on m'a convoqué. Tu veux quoi? Oh! La petite a un problème de sociabilisation, les gros français. J'ai dit sociabilisation, elle dit oui. J'ai dit mais, à la garderie, il n'y avait pas de problème. On m'a dit qu'elle était correcte. Elle dit oui. J'ai dit, je suis arrivée dans le bureau. Dans le bureau là, j'arrive, voici quatre personnes. On m'a demandé, elle m'appelle l'après-midi, est-ce que vous venez seul ou vous venez avec votre conjoint? J'ai dit oui, je viens avec mon conjoint. En hiver, j'ai porté mon gros manteau de cosmonaute. C'est quand tu viens d'arriver là, il fait 5 degrés, 6 degrés, mais tu portes le gros manteau de cosmonaute là, suis-toi comme ça. Ça dit, elle a mon sang chaud. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais l'enfant n'a pas de problème. Arrêtez, ça dit discuter un peu avec les gens. Quand vous avez des, quand vous comprenez pas, il faut discuter. J'arrive là, quatre personnes dans le bureau. Elle dit il y avait une travailleuse sociale, il y avait une éducatrice, il y avait une quoi. J'ai dit quatre personnes plus moi plus le quoi. Je rentre, je vois quatre personnes dans le bureau. Je dis mais oui, on veut s'entretenir un mois pour l'enfant. J'arrive, je dis oui. Oh, en fait. Quand je suis rentrée, puis j'ai vu le monde, j'ai tiqué. Oh, j'ai dit, mais pourquoi il y a tant de monde dans le bureau? Est-ce que c'est pour ma réunion? Je pensais que c'était un entretien de vous à moi. Oh non, c'est parce que ça, c'est la travailleuse sociale. Ça, c'est quoi? J'ai dit, travailleuse sociale? Ah non, non, non. J'ai dit, le sang de l'autre côté, là. Il faut sortir ça un peu. L'autre côté, là. D'où je viens, là. J'ai sorti ça. Choubi était là, mon mari était là, chérie, calme-toi. Maman, j'ai dit non, 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 papa, tu arrêtes. Tu m'arrêtes ça tout de suite. Tu comprends? J'ai dit, mais est-ce que quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit que oui, c'est le protocole. J'ai dit le protocole par rapport à quoi? Je peux savoir ce que vous reprochez à l'enfant? J'ai dit, j'ai montré le côté bête. Non, madame Z, quand c'est quoi maintenant? Quand tu montres l'autre côté là, j'ai dit non, non, non. Si l'enfant n'est pas bien ici, on va changer de commission scolaire. Parce que moi, mon enfant n'a pas de problème. Vous savez pourquoi les quatre personnes étaient là? C'était pour prendre une décision pour médicamenter ma fille. Ma fille aujourd'hui, qui est la première de sa classe depuis le CP1 jusqu'à aujourd'hui où on est au Canada. Voyez-vous? On voulait médicamenter ma fille. Parce qu'il y a une prof qui ne voulait pas prendre ses responsabilités.
Tu dis, mais mon enfant est rentré déjà à la maternelle, elle savait écrire son nom. Pourquoi on va... Non, il faut vous cailler. Le monsieur ne pouvait plus me maîtriser. J'ai dit, non, non. La réunion n'a plus eu lieu. J'ai dit, vous savez quoi? On va se retrouver à la commission scolaire. Parce que l'enfant va changer d'école. Puis je suis sortie du bureau. Le gars était là, il dit, ah chérie, tu étais trop fâchée. J'ai dit, oui, mais pourquoi ils étaient quatre? Finalement, on m'en paye. Quand maintenant, lui, il a compris tout et tout, paye, vous le voyez là, là, son sang est plus chaud que moi. Quand ils ont analysé, maintenant, ils ont dit que c'est là, on dit que c'est une sauvage, elle vient de la forêt équatoriale là-bas. On dirait que c'est pas genre les bougnoules là. Donc, on n'a qu'à changer de stratégie. Oh, on m'a envoyé une lettre maintenant. Oh non, vous savez, on va donner une période de 3 mois d'observation. Ah, donc on pouvait donner 3 mois d'observation. C'est comme ça que ma fille n'a jamais été médicamentée. Pourquoi elle allait être médicamentée? Je sais quand l'enfant court un peu, l'enfant fait quelque chose, tout de suite là, on va te stigmatiser, ils vont cataloguer l'enfant. Vous comprenez? Donc tout ça, c'est des expériences que je vous explique. Je dis ça dans l'humour, mais ce sont des expériences. Ma vie n'a pas été heureuse, mais je me suis battue. Je me suis battue. Il y a tout idiot. Il y a même dit au Canada, on donne ça dans la main. Qui va te donner dans la main? On ne va pas te donner. On ne peut pas te donner, mais tu vas te battre comme ça. Vers la fin, quand on arrive vers les 3 mois, où on s'en va maintenant, dans 2 mois, on m'envoie l'être pour dire que la petite est correcte. Il dit, ah, donc elle était correcte et puis vous étiez quatre dans le bureau. Tout simplement, ils allaient signer le rapport. Comme ça dit que tu ne comprends rien dans le système, on signe le rapport. Et puis maintenant, on va mettre ton enfant sur, comment ils appellent, Ritalin ou bien leurs médicaments. Il dit, n'a pas de problème. Jusqu'aujourd'hui, ça fonctionne bien. Donc, c'est ça. Défendez-vous. Défendez-vous. C'est ça. C'est rien qui... C'est ça. Tout le temps pressé pour rire. Pressé. C'est-à-dire, c'est comme un système où ils sont pressés. Les personnes sont à la retraite, elles sont pressées. Une madame qui est venue à l'hôpital, là, la jambe est fracturée. Quand on voulait même... Il restait un peu, on allait couper même au niveau de la hanche ici à l'hôpital. Je lui ai demandé, mais où est-ce que vous alliez? Courir derrière, ça dit l'autobus, c'était là, elle vegla, elle n'a pas bien, tellement elle courait derrière l'autobus. Il dit, mais est-ce que vous partiez au travail? Si vous aviez manqué l'autobus, il y avait un autre. Ça dit, ils sont dans un système où ils sont pressés. Oku, Tchassa, Fabienne, salut à toi. Le sujet, c'est tout, c'est Joyeux Noël. Katela, James, c'est Joyeux Noël le sujet. Puis je parle de tout, je touche tous les sujets. Voilà. Quelqu'un m'a demandé de parler un peu de l'éducation des enfants. Donc, j'essayais de donner comment on peut comme... Ça dit, si tu ne comprends pas le système, on peut te prendre de coups. C'est ce que j'explique. C'est ça. Pour comprendre qu'un enfant a un problème, il faut que le comportement qu'il produise à la maison, il le reproduise à la garderie. Ça, c'est déjà un indice majeur. Si on vous reproche quelque chose de votre enfant... à la garderie, excusez-moi, et que vous voyez que l'enfant n'a pas ça, émettez des doutes clairement. Dites aux professionnels, se comporte. Ne soyez pas des parents qui sont dans le déni. Oui, le déni, c'est que tu sais que l'enfant fait, et puis tu fais semblant. C'est pas de ça. Parce que si tu caches là, arriver devant ça, le rattraper. Mais si l'enfant n'a pas le comportement qu'il fait à la garderie, dites-lui clairement, il n'a jamais fait ça. S'il l'a fait, dites oui, c'est vrai. Il l'a fait. Il le fait souvent. Ou bien il l'a fait une fois. Là, on a les parents qui sont dans le déni. L'enfant fait, on dit non. Ah ouais? Ça, c'est leur mot, ça. Ah ouais? Ah, le Québécois. Ah ouais? Quand le Québécois dit ah ouais, là, ça veut dire que ce que tu entends, il dit là, il ne me retrouve pas dedans. Alors que toi, tu sais que l'enfant fait. Je dis, oh que oui. L'enfant, il fait ça. Ça se peut qu'il fasse le comportement à la garderie. C'est comme j'avais un enfant par le passé. Il faisait un comportement... À la maison, là, on m'envoyait des vidéos, des grosses crises. Mais il ne faisait pas ça à la garderie. Aïe. Moi, ça dit, quoi qu'on dise là, il y a le système éducatif. Oui, c'est vrai. Mais il y a mon côté aussi. Souvent, je ne parle pas. Hein.
Et puis le plus grand du groupe, il dit, Monique n'aime pas ça, hein. Arrête là, arrête les crises, Monique n'aime pas. Il n'a jamais levé la main sur un enfant, il n'a jamais crié. Mais juste mon regard là, quand il fait ça. T'es-tu correct là? Il s'arrange. C'est ça. Mais celui qui dit Monique n'aime pas ça là, c'est le gros faiseur de crise à la maison. On m'envoie ses vidéos. Sa mère dit, mais comment c'est lui qui dit aux autres, Monique n'aime pas ça. Et puis lui, il dit aux autres, arrête de faire les crises là, Monique n'aime pas ça pas à toutes. Tu comprends? Mais à la maison, quand on m'envoie ses vidéos, tu peux pas. Il est le chef bandit à la maison. Ses parents disent que non, il est pour. J'ai dit non, il n'a pas un problème. S'il a un problème, le même comportement, il allait le reproduire. Donc, ça veut dire que c'est parce qu'il est dans le cocon familial. Là-bas, on a fait un peu louste. Donc, il fait ce qu'il veut. C'est le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Donc, que voulez-vous? À un moment donné, on a gâté, on a laissé faire. C'est tout. Donc, c'est aussi simple que ça. Donnez-moi l'heure qu'il fait, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour les étoiles. Je vous souhaite vraiment un joyeux Noël. C'est ça. Merci beaucoup. C'est aussi simple que ça. Vraiment. Je savais que je ne pouvais pas tenir jusqu'à minuit. Donc, c'est pour ça que j'ai... Si vous avez une préoccupation, une question, vous pouvez me la poser. Sachez que le consultant est à Abidjan, tout et tout. Il revient fin janvier. Marie-Thérèse, joyeux Noël. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. 550 étoiles. Ouais. Point direct de joyeux Noël. Merci. 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 Bonne nuit à vous. Bonne nuit. C'est gentil. Merry Christmas. Je vous souhaite un joyeux Noël. Moi aussi, je suis un peu fatiguée. Je vais chercher à dormir. Prenez soin de vous. Et puis, ciao, ciao.